Mais écoutez, c'est un grand projet qui a été mis en place au début de ma mandature, en effet, et là, on est en train de voir sa réalisation, donc on ne peut en être que satisfait, parce que justement, c'était une attente de la population de voir ce parc qui a été bien abîmé lors de la tempête de 1999, qu'il soit refait par le Conseil Général. Et là, je crois que ce que nous avons visité prouve que c'est déjà une grande réussite, tout particulièrement la partie ouest, où le T2 va passer, et nous avons vu que cette entrée qui était très confidentielle précédemment permet à tous les habitants, tous les Colombiens du nord-ouest de Colombe de pouvoir accéder très facilement au parc La Gravère, et puis également toute la réflexion qui est en train de se faire sur le pont des eaux. Ensuite, nous attendons avec impatience la promenade bleue, mais qui est prévue pour l'année 2012, et ensuite la plaine alluviale, qui permettra de rapprocher une fois de plus la Seine du centre-ville. C'est très important pour nous. C'est le plus grand parc de la ville de Colombes et il est très, très utilisé toute la semaine et tout particulièrement le week-end où il y a beaucoup de joggeurs, beaucoup de sportifs et puis les enfants peuvent y jouer, les parents faire du sport et un lieu de promenade et tout particulièrement, j'allais oublier de vous signaler, mais c'est la piste cyclable qui va de Colombes jusqu'à Rueil. Ça fait une dizaine de kilomètres qui est possible de faire en vélo et qui est vraiment très reposant et très agréable. Petit à petit, on voit les choses qu'on avait mises en place sur Colombes se réaliser. Et quand elles se réalisent comme ça s'est fait par le Conseil Général, avec tout ce que nous avions prévu, on peut être satisfait. Ça n'est pas vrai pour tout. La politique menée par le département des Hauts-de-Seine est une politique d'extension et d'aménagement des parcs pour rendre la vie de nos concitoyens la plus agréable possible dans les Hauts-de-Seine. Et c'est vrai, depuis quelques années, nous sommes sensibles aux problèmes du développement durable et donc nous avons transformé progressivement l'entretien de nos parcs, la façon de les gérer, de façon de plus en plus naturelle, en évitant par exemple les pesticides, en essayant d'éviter toutes les nuisances sonores. Dans certains parcs, nous avons des carrioles tirées par des animaux. Nous avons aussi des parties de parcs que nous laissons se développer naturellement pour retrouver une biodiversité naturelle et importante. Si bien que malgré que nous soyons un département très urbanisé, dans nos parcs, on a une biodiversité beaucoup plus forte que dans d'autres départements, beaucoup plus agricoles. C'est assez étonnant et le Conseil Général depuis des années a fait beaucoup d'efforts pour développer tous ces parcs, que ce soit ici le parc de l'île Marante, mais le parc des Chantraines, le chemin de l'île, le parc de Sceaux ou la vallée au Loup. Et c'est vrai que je pense que tous nos administrés se rendent compte quand même que c'est une chance d'avoir un Conseil Général aussi sensible à cet environnement vert. Beaucoup de personnes sont intéressées parce que nous avons la chance d'avoir des personnes extrêmement compétentes au Conseil Général pour s'occuper de tous ces parcs, qui le font depuis un certain nombre d'années maintenant et qui ont su au fil du temps s'adapter, aménager les parcs et les rendre tout à fait vivants pour que vous ayez des parties de parcs pour les petits, pour les seniors, pour ceux qui veulent faire du vélo, du jogging. Chacun y trouve son compte et donc nous voyons même ici là en train de visiter qu'il y a des personnes en train de faire du sport, des personnes âgées en train de se promener tranquillement, des petits gamins en train de jouer. Chacun y trouve ce qu'il y cherche et c'est l'essentiel. En fait, les promenades bleues, c'est logique, ce sont les promenades le long des berges de Seine. Donc le Conseil Général a dit que dans toutes les années qui venaient, il allait progressivement se réapproprier toutes les berges de Seine pour l'offrir à la promenade des Alto-Séquanais, qu'ils soient à pied, en vélo, en roller. Et c'est vrai qu'au parc de l'île Marante, maintenant, nous pouvons aller jusqu'à Bougival le long de la Seine, grâce notamment à la Darse qui a été inaugurée il n'y a pas si longtemps à Nanterre et qui permet de longer les bords de Seine de façon très agréable. Et par contre, les promenades à l'intérieur du département, c'est parce que les présidents du Conseil Général avaient demandé qu'on soit à moins d'un quart d'heure d'un grand espace vert dans le département. Et c'est en fait ce qu'on essaye de mettre en place. Donc, avec l'aide des villes, nous réfléchissons à des parcours buissonniers à travers les villes qui puissent nous amener soit aux berges, soit nous permettre d'aller d'une ville à une autre et d'aller à un parc relativement aisément.
parce que ça fait quand même partie, je le répète, de l'équilibre que de pouvoir se promener dans des espaces suffisamment importants où on peut se détendre, on peut tout simplement rêver, lire, se balader.